Si vous êtes un peu présent sur la plateforme TikTok, vous avez sûrement dû tomber sur ce genre de vidéos de motivation ultra populaires qui sont très très virales en ce moment et qui enregistrent des millions et des millions de vues. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment générer ce type de vidéos de motivation virale automatiquement grâce à l'intelligence artificielle de Visla. Pour commencer, sachez que je vous ai mis le lien de la plateforme en description. Après avoir cliqué sur le lien en description, vous allez vous retrouver sur cette interface d'accueil. Il suffit de créer un compte gratuitement en cliquant ici sur « Inscrivez-vous ». De vous connecter, c'est plus facile de se connecter avec le compte Google. Voilà. Et une fois que vous êtes connecté à la plateforme, vous pouvez voir ici en bas que vous avez 50 minutes de vidéos gratuites par mois. Donc vous pouvez générer 50 minutes de vidéos par mois gratuitement. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici sur le bouton « Créer une vidéo ». Et ici à ce niveau, ce que vous devez faire, vous pouvez générer une vidéo tout simplement en donnant à l'IA une idée de la vidéo que vous souhaitez générer. Par exemple, vous pouvez voir ici, incluer toutes les informations permettant d'adapter la vidéo, par exemple, le sujet de la vidéo, son objectif, le public cible et la langue de la vidéo et la plateforme de publication. Donc, maintenant, je vous conseillerais d'utiliser la langue anglaise pour générer votre vidéo parce que, pour l'instant, la plateforme prend en charge la langue anglaise et l'espagnol uniquement. Mais je suppose que dans les futures mises à jour, il y aura la langue française. Mais pour l'instant, vous devez utiliser la langue anglaise. Donc, vous pouvez utiliser Google Translate pour traduire votre texte du français en anglais, de copier et de venir coller ici à cet endroit. Donc, vous pouvez voir ici que je viens de traduire mon texte en anglais. Et donc, je lui ai demandé de générer un short YouTube, une vidéo de motivation impactante. La vidéo doit être limitée à 30 secondes. Et faites en sorte que le langage soit facile à comprendre et qu'il soit très convaincant. Utilise une musique de motivation en fond de vidéo et une voix off britannique impactante. Donc voici mon texte que je viens de traduire. Je peux tout simplement le copier et ensuite de venir le coller ici à ce niveau. Et maintenant, il suffit de cliquer sur « Générer une vidéo » et de patienter quelques secondes le temps que la vidéo soit générée. Donc, une fois la génération terminée, nous pouvons maintenant prévisualiser notre vidéo. Are you ready to unlock your full potential? Believe in yourself and take the first step towards greatness. You have the power to achieve anything you set your mind to. Embrace the challenges and turn them into opportunities for growth. Stay focused and never lose sight of your goals. Success is within your reach. Keep pushing forward. You are capable of extraordinary things. Believe it. Let your determination be the driving force behind your success. You are unstoppable. Keep striving for greatness. The world is waiting for your remarkable achievements. Donc vous voyez qu'il vient de nous générer un montage vidéo tout fait avec la voix off, des vidéos et même des sous-titrages. Si vous souhaitez apporter des modifications à cette vidéo, il suffit de cliquer ici sur le bouton éditer. Donc, et là, vous vous retrouvez avec tous les plans de la vidéo qui ont été utilisés. Donc, déjà pour l'intro, vous voyez que vous pouvez déjà supprimer cette intro. Donc, Visla, vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Delete scene. Donc, nous nous retrouvons directement sur la première séquence vidéo où vous voyez notre vidéo avec la musique en fond et le sous-titrage qui a été généré. Vous pouvez modifier le texte. Si vous modifiez le texte, il va automatiquement le modifier ici dans la vidéo. Donc, vous voyez qu'il a séparé notre vidéo en scène. Vous pouvez également supprimer cette scène de fun. Ça ne va pas nous être utile. Donc, et là, nous venons de terminer notre montage. Maintenant, je tiens tout simplement à vous mettre en garde que vous remarquez ici que les vidéos qu'il a utilisées ne sont pas libres de droit. Donc, il s'agit des vidéos qui ont été téléchargées sur le site Storyblock. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des filigranes dessus. Donc, une fois que vous avez terminé vos modifications, il suffit de cliquer ici sur le bouton « Exporter ». Et comme je vous le disais tout à l'heure, au moment d'exporter, il va vous avertir que votre projet contient des stocks premium. Ou si vous souhaitez utiliser des vidéos uniquement gratuites et libres de droit, vous pouvez régénérer votre vidéo.
Donc nous allons cliquer sur régénérer avec du stock gratuit. Sinon, vous pouvez activer la version premium juste ici à ce niveau. Nous allons cliquer sur générer avec des stocks gratuits. Et là, nous allons patienter quelques secondes. Donc, après quelques secondes, là, nous pouvons maintenant voir notre vidéo qui vient d'être générée. Are you ready to unlock your full potential? Believe in yourself and take the first step towards greatness. You have the power to achieve anything you set your mind to. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ils viennent de nous régénérer notre vidéo et maintenant, il s'agit des stocks tout à fait gratuits et libres de droit que vous pouvez publier sans aucun problème. Donc, maintenant, nous pouvons cliquer ici sur le bouton exporter. Donc, maintenant, sur cette plateforme, il existe également d'autres moyens pour générer des vidéos automatiquement avec l'IA. Ici, nous avons vu idée. Donc, il permet de générer des vidéos à partir d'une simple idée. Nous pouvons également utiliser un script. Donc, il suffit de cliquer ici sur SMS. Si vous souhaitez utiliser cette méthode, je vous conseillerais d'utiliser ChatGPT pour générer un script. Donc, il suffit de vous rendre sur ChatGPT et de demander à ChatGPT de nous générer un script pour une vidéo de motivation. Donc, je viens de lui demander, rédige-moi un script pour une vidéo de motivation de 45 secondes à publier sur YouTube. Donc, et une fois qu'il a fini de générer le script, nous pouvons tout simplement copier le script qui a été généré et ensuite de le coller ici à cet endroit, comme ceci. Donc, vous voyez que j'ai copié le script de ChatGPT, j'ai mis ici. Et ici à droite, nous devons donner quelques détails de notre vidéo. Donc, par exemple, je viens de mettre que je souhaite qu'il utilise des images inspirantes de réussite, de victoire personnelle, des moments de joie. Sur le plan final, une personne regardant fièrement vers l'avenir déterminée. Donc, et à la fin, il doit mettre le message « Réalise tes rêves » avec une musique de fond. Une fois que vous avez ainsi mis tous les détails de la vidéo, il suffit de cliquer sur « Générer une vidéo ». Donc, une fois qu'il a terminé, maintenant nous pouvons prévisualiser notre vidéo. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? La vie, c'est une opportunité. Chaque jour est une toile vierge, prête à être peinte avec ta détermination, ta passion et ta persévérance. Les échecs ne sont que des leçons. Chaque chute est une chance de se relever plus fort, plus sage, plus déterminé que jamais. Donc, vous voyez que ça marche parfaitement bien. Et vous pouvez également procéder comme nous avons vu tout à l'heure pour modifier votre vidéo ou pour l'exporter. D'autres façons de générer des vidéos, vous pouvez voir ici, nous avons la méthode bloc. Pour le bloc, donc vous avez la possibilité d'ajouter un article de bloc ici à ce niveau et il va être converti en vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Sinon également ici, nous avons des voix. Donc vous pouvez importer une voix off que vous avez faite vous-même ou que vous avez générée sur une autre plateforme. Vous l'importez ici à ce niveau et cette voix off va être utilisée pour générer un montage vidéo automatiquement. Donc il suffit d'importer votre voix off ici à ce niveau, de donner quelques détails de la vidéo que vous souhaitez générer ici et ensuite votre vidéo va être générée automatiquement. Sinon également il y a aussi la méthode image to video. Donc vous pouvez générer également une vidéo à partir d'une image. Donc, si vous souhaitez générer un montage vidéo à partir d'une autre vidéo, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur la petite flèche de sélectionner mode avancé. Et ici, vous devez tout simplement importer votre vidéo en question. Je vais par exemple choisir la vidéo que nous avons générée tout à l'heure. Are you ready to unlock your full potential? Je vais cliquer sur importation. Et là, cette vidéo va être utilisée pour générer des stories. Maintenant, vous avez ici la possibilité donc de sélectionner des passages de votre vidéo. Donc, après avoir importé une de vos vidéos, vous avez la possibilité de la modifier. Vous pouvez par exemple supprimer certaines parties et conserver d'autres parties. Vous allez remarquer que chaque fois que je sélectionne un texte ici, le passage en question est sélectionné ici dans la vidéo. Si je supprime cette partie en cliquant sur « Couper », vous voyez que ce passage va être supprimé de notre vidéo. Et ainsi de suite, donc vous pouvez procéder ici pour supprimer certaines parties de la vidéo. Sinon, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour faire des coupes automatiques. Donc, si je clique sur « Coupe automatique »,
Donc, en utilisant l'IA, vous voyez que l'intelligence artificielle a automatiquement identifié certaines parties et a supprimé d'autres. Et maintenant, il a conservé les 13 secondes qui restent. Mais je vous déconseille d'utiliser cette méthode car ça peut supprimer les parties importantes de votre vidéo. Donc, je vais la désactiver et je vais personnaliser moi-même les parties que je veux supprimer, modifier. Et là, une fois que j'ai terminé mes modifications, il suffit de cliquer sur « Affiner la vidéo ». Et là, on peut voir que je viens de terminer les modifications de ma vidéo. Donc, vous pouvez procéder ainsi pour générer des shorts à partir des longues vidéos que vous allez publier sur YouTube. Donc, c'est ainsi que vous pouvez procéder pour générer des montages vidéo automatiquement grâce à l'intelligence artificielle Visla. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel, un nouveau conseil. D'ici là, prenez soin de vous.